Bonjour les internautes, bienvenue à ce test, encore un jeu PS1, mais on va jouer tout simplement à Sailor Moon Super S sur la PS1. Donc on va découvrir avant le boîtier de ce jeu ensemble. Et arrivera un testeur, comme d'habitude, on fera un test d'un 10 minutes, un quart d'heure sur ce fameux jeu. On peut regarder que la pochette est quand même assez jolie. Et qu'on va se retrouver devant un versus fighting. Donc on va ouvrir une petite bulle pour le protéger. On retrouve le jeu sur l'intérieur. Et on va prendre la notice. On va regarder à l'intérieur si cette notice-là est pas mal. Parce que les Japonais nous font ça bien d'habitude. Alors voilà. La fameuse notice qu'on va découvrir ensemble. Donc avec les photos des Sailor Moon. Qu'on peut avoir. Il y a eu les Shibu Moon. Donc on va se retrouver devant Versus Fighting où on a 5 protagonistes au départ, mais il me semble qu'on affronte aussi les cérémonies qui arrivent et au total elles sont 9. Comme vous voyez, les personnages vont se rajouter. Donc on va faire un petit Versus Fighting après avec un testeur sur ce fameux jeu là. Alors, la notice va rien à dire, elle est classe quand même avec la présentation des stages. Les techniques des différentes sailors qu'on peut incarner. Sailor Pluton, Sailor Neptune et Sailor Saturne. Et voilà. Allez, on passe tout de suite au test. Merci d'avoir regardé. Bonjour Greg. Bonjour, bonjour. Bonjour, jeu vidéo, on nous voit. Non, on n'a pas d'image. Allez, bon, celle-là. Bon, on va recommencer. C'est sur une démo, Greg. Oh, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est Sailor Moon. Et oui, il y a un jeu Sailor Moon sur la PS1 en versus fighting. Et en plus, avec sa fille. Ouais. Shibu Moon. Et si en plus, c'est avec sa fille, c'est bien ça. Ouais, ouais. Oh, mais il y a tout le monde. Parce que sa fille, elle est. Il y a tout le monde dans le Super S. Il y a une autre musique. Ouh, la musique. Alors la musique, il n'y a rien à dire parce que c'est la musique de l'anime. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est la vraie anime, la vraie musique de l'anime japonais. Et d'ailleurs, c'est une bonne musique quand même qui va avec le manga. Ouais. Bon, elle est bien. Donc on retrouve tous les personnages. Alors, les atouts. Je sais même m'en battre. Ils sont 9 hein, c'est en mode. Moi je m'en rappelle. Ah, ils sont pas 5. Ouais, donc là on est au Super S. Donc en versus fighting, par contre on n'aura pas grand personnage. Elle est bien la musique. Je crois que YouTube va nous virer parce que cet homme il a des droits sur la musique. Oh oh. Peut-être. Bon allez, je change. On va avancer. En copo, copo, copo. Allez, on avance. Attends, je vais essayer de trouver Versus. On s'excite pas. On s'excite pas. Ah, vas-y, bouge-toi. Alors, donc, c'est sorti en 1996 au Japon. Et on va se faire un Versus. Donc, on va se faire un petit combat, Greg. Oui. Vite fait, voir la maniabilité. Voir combien il y a de personnages. Bah, il n'en aura pas beaucoup parce qu'on a que les essayeurs. Faudra peut-être 9, les débloquer peut-être. 9. Alors peut-être ouais, il faudra y jouer un petit peu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 10, ouais, c'est vrai, il y a Shibu Moon. Pardon. J'avais oublié Shibu Moon. Je m'en rappelle plus elle. Non. Elle, c'est. Elle arrive dans la 3e saison de Sailor Moon. C'est qui celle-là, je sais pas ça. C'est la Sailor Moon de la destruction, c'est Neptune ou un truc comme ça. Ah bon ouais. Bon quand même, bon. Troisième saison. Faut arriver à la troisième saison pour la découvrir. J'ai oublié mon début, c'était un roman. Ouais, c'est de là, je me rappelle. C'est de là. Ouais, je sais plus. Ouais, c'est là aussi. Mais ouais, c'est celle-là aussi. Bah si, ça c'est... C'est une des 5, Greg. Ah, celle-là. Bah oui, elle arrive aussi à la 3e saison. Ah, pas mal. Ah, elle arrive aussi à la 3e saison. Et à mon avis, t'as pas vu la 3e saison. Je m'en bats plus. Tu l'as vu, je m'en bats plus. Elle lui ressemble à celle-là, regarde, on est la sœur.
Ah non, ça n'a rien à voir. Qui tu prends, toi? Ça y est, j'ai pris elle. Ah, moi, je pense que c'est Hermione. Allez, vas-y, on va essayer. Oh, il y a une petite animation quand on les prend, cool. Ouais, on comprend du tout. C'est sympa. C'est con, hein. Ouais, mais c'est sympa. Ouais, mais c'est con, moi. Bah, de toute manière, c'est un jeu que tu ne trouveras pas en français. Vas-y, non, on sélectionne. J'ai appuyé. C'est bon. Ouais, bah on fait ouais. Ouais, c'est pas bon. Festar. Oh putain, c'est quoi ça? Attends. Allez, prends en bas. En fait, tu mets des points pour la force ou les pouvoirs, peut-être, j'en sais rien. Je comprends pas. On prend un stage, on va où? Allez, non, c'est tout. Non, je vais dans l'espace. Non, on peut éteindre l'escroc, il y a un versus. Bon, tu vois un jeu PS1, ça y est, remonte quelque part. Est-ce que tu prends ou tu laisses derrière toi? Ouais, je sais pas, je réfléchis. Moi, je conseille, de toute manière, c'est les jeux de Sailor Moon sur la Super Nintendo. Ils sont pas mal. Ah, d'accord. Allez vous rapporter à nos tests. D'accord. Je fais de la pub pour les anciens tests. Ouais, je vois ça. Bon, j'aurais pu mettre Coca-Cola, mais. Oh non. Comme je gagne rien par Coca-Cola. Coca-Cola, PlayStation, Pepsi, Orangina. Un message. Sur le PC ou sur ton... Je sais pas. Oh là, graphiquement, ça pique aux yeux. Oh, c'est pas terrible, alors. Ah, l'animation est cool, par contre. Ouais. Alors, ils ont mis un fond, on dirait, du dessin animé derrière, en 3D. Ouais, c'est ce que... Par contre, les coups, ils sont rapides. Ouais. Bon, par contre... L'animation, ils ont essayé de faire quelque chose. Ouais, mais c'est pas grave, c'est normal. Ah, on se croirait dans le Street Fighter The Movie. Ouais. Hein? Avec Van Damme, là. Un petit peu graphiquement. Ouais, en mieux fait quand même. Hein. Bon, il est plus rapide. Ouais, tu apprends ça me battre. Ah oui, gars! Attends! Mais putain, je te fais mon attaque, dégage! Tu me prends là. Tu prends mon gueule. Moi, j'ai même pas. Et la musique, elle cool. Écoute! Oh, on est tout triste, on va pas se taper. Arrête, on va mourir. J'ai pas envie de courir, la musique. Tu vas mourir. Je tiens à crever. C'est pour ça. Je veux partir de moi. Ça donne pas envie de se battre. On va me déprimer même. Super. Et je sais même pas faire la technique. Ah, maman, il va me trouver une. Allez, youhou. Et où tu as fait, toi? J'ai fait un quart de cercle en arrière avec le triangle. Attends, on va essayer de la faire, en fait comme ça, en arrière. Comme Street Fighter, mais vers l'arrière. Ah bah t'as pas de chance toi, c'est pas ça. Rien. Ah ouais, toi c'est autre chose. Ah pas de chance, vas-y, démerde-toi, t'avais qu'à prendre. Moi j'ai bombardé de bombes. Donc si on est fan de Sailor Moon, on peut essayer d'acquérir ce jeu-là. Si on aime. On vous le fait découvrir. Alors si tu veux faire du versus fighting, il existe aussi du Sailor Moon qu'on n'a pas encore testé en versus fighting sur la Super Nintendo avec des graphismes 2D, pas avec des graphismes comme ça, essayer de digitaliser quelque chose. Donc avec des graphismes un peu meilleurs, on va dire, plus sur dessin, il existe des versions comme ça de Sailor Moon en versus fighting. Ouais, mais par contre c'est trouvé, donc c'est chaud, il faut le commander au Japon bien sûr. Oh, les boutiques importent. D'accord. Allez, c'est parti. Mike. J'ai déjà pleuré là. Attends, on va essayer quand même un autre stage après. On va essayer le personnage peut-être. Hein. Ouais, on va essayer. Après, je dis pas quand elle tombe, l'animation elle est pas mal. Là, je vais me toller, regarde l'animation, je sais pas si mal que ça quand tu trouves mieux. Ouais. Après, c'est de la PS1. C'est bizarre, c'est pique comme un autre jeu, hein. Je conseillerais pas trop. Le bien c'est quand la musique elle meurt. Tu sais, Ouais, à mon avis c'est peut-être des... Bah même pas, mais je me souviens pas de l'avoir entendu dans l'anime celle-là. Faudrait que genre, j'écoute une autre musique, je te dirais quoi. Bon c'est bon, tu m'as niqué. Ah ouais, j'aime bien moi. Regarde quand t'es... Ah ouais, chien. Tu pleures en haut. Comme d'habitude, elle château du Yen. Ah ouais, putain c'est chien. Pique aux yeux. Bon, on va retester d'autres personnages. Attends, encore un. Toi, tu le prends en brocante, ça, ou pas? Ouais, pour mettre dans vos collections, c'est tout. Ouais. Mais je préfère quand même... Putain, mais... Bah oui, on a gagné une partie chez toi. Lolo, t'as gagné la première, toi. Bah oui. Oh, t'as gagné un coup de balle. Non. Oh, putain, tu l'as pas mis comment, celle-là. En plus, il y a des défauts, hein, je... Oh, putain.
Ouais, par contre, j'arrive même pas à... Elle a du mal à se retourner, hein. J'avais dû l'ouvrir. Tiens, je te traite, je serai mourir. Hein. Ah, si vous entendez un ronflement, c'est le chien. Ouais, c'est pas nous, hein. C'est endormi. On s'endort pas encore. Et des bonnes savettes. Oh putain. En plus, les combats, ils durent 3 plombs. Ah ouais. Ah putain, tu vas gagner. Ah, je vais faire la boule qui sert à rien parce que t'as le temps. Le temps qu'elle a, t'as le temps de t'abaisser. Mes 3 plombs vont partir. Ah ouais. Bon, bah, je conseille quand même le jeu sur la Super NES de Sailor Moon. Ah merde, j'ai perdu! C'est... Ah bon Greg, ouais. Moi je le trouve en brocante, je le prends aussi parce que j'aime bien Sailor Moon et je collectionne tout ce qui est Sailor Moon aussi. Ouais voilà. Et franchement. Redigitalisés ils sont pas mal hein. Un jour différemment enfin. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais coca? Ouais. Chez Dom Clot. Ah ouais je vois ça. Bon Greg, je sais pas si on va refaire une. On retente quand même sur un fight. Ouais mais on va un fight. Hein. Fais un fight. Ouais. Par contre, tu mets deux plombs à ce là. C'est con, il aurait pu être bien plus rapide. C'est con, l'idée était bonne au départ. Ouais, mais. Là, ceci, quoi. C'est l'homme masqué. Ouais, on s'en fout. Non, j'ai pas de carte. Oh putain, trois plombs. Ah ouais. Oh, t'as envie de dormir. Allez. Fais chier. Veux jouer. Veux jouer. Non, Longling. Non, Longling. Non, Longling. Les amis internautes, mettez-nous des pouces le temps qu'il y ait le non-Longling. Plus ou moins. Bon, j'apprends du personnage et des nouvelles. Donc... Vas-y, vas-y. Celle-là ou celle-là? Sans voilà, brune, allez. Bah, elles sont toutes fortes, tu m'as dit. Ouais. On va voir. Bon, allez, je prends Shubimon. Bah, c'est rien, aussi. Bien sûr. J'ai du pouvoir, Shubimon. Je sais plus. Vas-y, appuie, gros. En bas, ouais. En bas direct. Ouais. On va essayer. Tu voulais quoi comme truc toi, stage? Je le sens mal ton stage. Ouais. Tu voulais quel tour? L'espace? T'as vu l'espace où? Non. Là? Non, là. Ah, la lune? Là, ouais, là, ouais. Attends, putain, il est paumé. C'est lui, non? Mais il est où le truc? Là! Pour sélectionner, il n'y a même pas de petite case de couleur qui te dit où on est. Ouais. Si, t'as que tu vas au milieu, c'est bon. Eh ben, en plus, elles sont copines dans la saison 3. Enfin, au début, c'est vrai. Ouais, je sais un peu. Bah si après ce serait mais. Bah je spoil pas le manga, tu vois, pour ceux qui connaissent pas. Oui, t'es gentil. Bon putain non, non, non. Alors, bon. Pouce rouge, pouce bleu, merci. T'attends d'aller boire un café. Ouais, un café. Chicorée, achetez hey, Chicorée, c'est très bon. On est sponsorisé par Chicorée. C'est pas du cul de fourmi ça, la Chicorée. Oh putain, je suis un insecte, je suis une petite fille vénule toute secoue, alors ça va avec un graphiste tout. Oh que c'est beau. C'est beau derrière. Oh putain, c'est classe. Un sang. Ouais, ça te met des coups de poing. Oh putain, j'ai trouvé l'attaque, t'es mal. Tiens. C'est pas croissant d'amour mon attaque. Non, c'est pas croissant d'amour. Je ne sais plus mon attaque. Oh, puis même ton bonhomme il est mort, j'ai gardé, bouge pas, comment il est. On dirait nous revenait plus. Oh putain, tiens, je pense à ta gueule. Ah, t'as pas été sage. Bon, bref, tu conseilles ce jeu aux gens. Personne. Personne, je conseille, putain, graphiquement. Et c'est quand même... Tiens, des coups de bâton. Bon, je dis pas, c'est maniable. C'est quand même maniable. Maniable. La maniabilité, ça. T'arrives même pour faire l'attaque et tu me fais chier. Moi, j'y arrive, mais c'est... Moi, je trouve que c'est maniable. Je suis un bon. La musique a été sympa. Et en fait, il y avait une belle démo quand même. La démo était belle. Belle musique au début, hein. Et graphiquement, et même la musique. Ça te donne pas envie de te battre, écoute. Et elle est un peu plus joyeuse que l'autre. Attends, ouais, c'est plus atmosphère, ça y est, en moi. Voilà. La terre avait envie de mourir. Regarde, j'arrive même pas à me retourner. Ah, moi j'ai des petites mains. Oh, j'ai fait qu'une attaque. En plus, j'ai des glissades et je suis déjà petite.
Regarde, je suis dur. T'es mal pour me bloquer. Regarde comment tu vas me bloquer. Tu peux pas me bloquer. Ah. Je peux rien faire, hein. T'es trop petite. Ah, tiens, un cœur d'amour dans la tronche. Tiens, un cœur d'amour numéro 2. Chut. Time over. Si t'as gagné, je comprends pourquoi je t'ai frité. Ah ouais, moi je vois ça. Putain. Qu'est-ce que j'ai gagné? Après, on a fait un match nul. Je sais pas. On a fait match nul. Désastreux. Catastrophique. Bon, Greg, on met une note. Allez. Comme. Je vais être gentil. 8. Donc, t'as un 8 sur 20. Oh, regarde, j'arrive même pas à m'en retourner. C'est joué pour ça. Écoute, je l'ai pas essayé, mais le Versus Fighting Super Nintendo, je l'ai pas essayé. Ah. Mais vu le désastre de celui-là, je serais tenté à essayer de l'acquérir pour essayer de voir à ce qu'il ressemble. Mais là, c'est un désastre quand même. Ok. Allez, je vais lui mettre un petit. 9 sur 20. Ah, désolé, les internautes, c'est vrai que c'est trop limite par rapport à la concurrence. Ouais, j'ai bien fait Street Fighter là-dessus parce qu'on claque un Street Fighter, c'est quand même 5 fois mieux. L'image, eh, franchement, l'image est pas belle. Regarde derrière aussi, la musique, elle a envie de mourir. Du début, quoi. Hein? Avec la musique du début et la maniabilité qui va. Ouais. Mais sinon, c'est tout. Le mode de buter entre deux. Hein. Ouais, moi, j'y arrive même pas à faire l'attaque, j'ai essayé de partout, mais j'ai pas aimé. Voilà. Donc, sur ce, on vous le conseille pas celui-là. Juste pour les collectionneurs de Sailor Moon, peut-être. Ouais, peut-être. Allez, à plus. Au revoir. Au revoir. On fait un check. Au revoir. Ok, à plus.